Cinquième leçon, la bienfaisance. Son pilier étant d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Le cheikh Hitham Sarhan a dit, la bienfaisance a un seul pilier sous lequel s'ajoutent deux degrés. Une adoration de surveillance, muraqabah, c'est une adoration de peur et de crainte. Tout musulman est concerné par ce degré. C'est le premier degré. Le deuxième degré qui est plus haut, une adoration d'observation, mushahada. C'est une adoration d'amour, d'espoir et de désir de ce qu'il y a auprès d'Allah. À l'exemple de l'adoration des prophètes et messagers, alayhimu salam, paix et bénédiction d'Allah sur eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Afala akunu abdan shakura. Le moteur de l'adoration est donc l'espoir, l'amour et le désir de ce qu'il y a auprès d'Allah, avec néanmoins la présence de la crainte.